Bonsoir à tous et bienvenue sur MyFrica TV, sur le plateau de l'émission Ma Webstar. Alors, Ma Webstar est une émission qui consiste en mettre en lumière les webstars du moment, tels que les webcomédiens, les webhumoristes, les webartistes et même les créateurs de contenu web, tels que. Alors, j'en passe. Alors, aujourd'hui, nous avons sur notre plateau. C'est parti, 45 minutes de fou rire avec Charles. Bonsoir, juste après cette petite transition. Merci. De MyFrica TV de m'avoir permis d'être là sur ce plateau et pour ta question, je me porte à merveille. Merci. Alors, ok, mettez-vous à l'aise car chez vous, c'est chez vous, vous voyez. Sans oublier que ce mois, c'est votre mois d'anniversaire, à ce que je sache. Exactement. Alors, Chadé, quel âge avez-vous en ce mois? C'est une question un peu compliquée parce que j'ai vu au maximum d'afficher mon âge sur les réseaux. Ah, ok, nous voyons. Ah, 10 ans alors que vous avez un an de plus. Exactement. Alors, Charles Pro, le célèbre acolyte de Nero, c'est ça? Avec Nero, on a commencé à faire les vidéos il y a de cela 4 ans, je pense, et on a commencé en 2018. Alors, quelle a été cette motivation de vous lancer dans la comédie et tout et tout? Pour la petite anecdote, c'est d'abord Nero qui a commencé à faire les vidéos et moi j'ai suivi la cadence puisque il a cette force là de faire rire les gens, donc et moi j'ai aimé la façon dont il travaille et d'accord, c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la comédie. Exactement. Alors ici pour vous, Nero, c'est un modèle, un exemple. A-t-il commencé avant vous? Bon, je peux dire, non, on a commencé au même moment. Mais il avait déjà commencé à faire certaines vidéos avant que moi je suis venu pour qu'on continue. Et il y avait aussi une autre personne qui était dans le groupe, c'est Trinitarius. Actuellement, il est en train de composer le baccalauréat, ce qui fait qu'il est un peu en stand-by pour qu'il puisse se concentrer. Alors, ok. Et nous pouvons vous poser une question un peu personnelle. Ah, si ça ne touche pas la sensibilité, il n'y a pas de problème. Sans elle, est-ce qu'aujourd'hui vous pourrez être ce que vous êtes là? En fait, non. Parce que là, on voit bien que vous avez déjà un peu de visibilité sur le web, quelques personnes vous connaissent et tout. Sans elle, est-ce que vous pourriez arriver où vous êtes actuellement? Non, personnellement, je ne pense pas. Parce que ma carrière s'est fondée grâce à une course comédie. Nettos Comédie. Oui. Alors, deux de mes influences, c'est grâce à Nettos Comédie. Alors, ça c'est très intéressant. Et quel est votre passe-temps? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, votre hobby? Je ne sais pas. Bon, mon passe-temps, d'abord, je suis étudiant. Ouais. Je suis en licence. Je suis en licence. Je suis à soi. Faculté, sciences économiques. Sciences économiques? Oui. Ah, à part la comédie, qu'aimez-vous faire? Quel sport pratiquez-vous? Bon, j'aime le football et le basket. Le basket? Oui. Vous êtes actuellement à Yaoundé, mais nous voyons souvent la plupart de vos vidéos se font à Douala, ce que je sache. Bon, quand on voyage des fois, il faut réaliser une vidéo. Peut-être à Douala, on déplace toute l'équipe pour faire, pour réaliser la vidéo à Douala. Et quand il faut peut-être aussi réaliser la vidéo à Tribi ou bien à l'Ouest, on déplace toute l'équipe et on va travailler. Donc c'est intéressant, hein? Mm-hmm. Alors, une autre question. Oui. Comment fonctionnez-vous en fait, de vous demander la hiérarchie
les caméras et tout. Est-ce que vous-même vous procurez ou non, vous avez une entreprise qui, avec laquelle vous agissez? Genre, en fait, vous voyez, pour l'éclairage et tout. Non, on a nos propres appareils. Vous avez vos propres appareils, oui. Vous fonctionnez de vos propres moyens. Exactement. D'accord. Alors, monsieur Charles Pro, est-ce que Charles Pro est votre véritable nom? Non, c'est juste mon nom d'artiste. Et vous êtes beaucoup vraiment en fait? Bon, mon vrai nom c'est Nuna Randolph Doet. Nuna Randolph Doet. Oui. Alors, de quelle localité venez-vous? De l'Ouest. De l'Ouest. Mm-hmm. Alors, merci pour cette petite séance d'informations concernant monsieur Charles Pro. C'est un plaisir. Alors, monsieur Charles Pro, avez-vous des projets personnels? Bon, oui, bien évidemment, j'ai des projets personnels puisque je ne peux pas continuer à avancer derrière seulement. Il est bien vrai que c'est bénéfique pour moi, mais il faudrait aussi que je puisse avancer seul. Alors, ok. Alors, vous avez prévu alors un nouveau projet personnel? Oui. Et qui pourra être disponible quand? D'ici ce mois, par exemple, ça va dépendre du rythme du montage. Parce que moi, je ne suis pas expert en montage comme elle. Donc, c'est un peu ça qui me bloque un peu. D'accord, d'accord. Merci, monsieur Chaloupro, pour ce petit échange. Nous sommes curieux de savoir, en fait, comment avez-vous rencontré Ney? Parce que nous voyons que vous fonctionnez depuis plusieurs années ensemble. Alors, comment ça s'est passé? Bon, pour la petite anecdote, Nel et moi, nous sommes d'abord cousins. Ah, ouais, vous avez l'air de fraternité. Oui. Bon, un jour, il est venu avec une vidéo, il m'a présenté la vidéo. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore de page Facebook. Et... Il n'y avait pas encore de page. Oui. Vous avez commencé à zéro, en fait. Bon, je conseille de mettre la vidéo plus sur YouTube. Il n'avait pas encore de compte de YouTube. Je lui ai demandé de créer un compte de YouTube et de mettre la vidéo à l'intérieur. C'est comme ça qu'il a commencé à faire d'autres vidéos. Après moi, je l'ai de rejoindre dans la lancée jusqu'à maintenant. C'est là où on a eu une popularité. Alors, ce qui concerne votre nouveau projet. Oui. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce une série ou de simples vidéos, en fait? On voudrait en savoir plus. Bon, je ne suis pas encore à la hauteur de faire une série. Moi, mon projet, c'est plus les vidéos parce que l'on fonctionne plus sur les inspirations. Quand une inspiration arrive, on profite pour réaliser cette inspiration sous forme de vidéo et on balance. Bon, pour mon projet, ça sera disponible d'ici la fin de ce mois, mais début février. Alors, début février, nous aurons de nouvelles vidéos de Charles Pro. Ouais. Et alors, allez-vous fonctionner? En fait, nous voulons savoir si vous avez votre propre page ou vous fonctionnerez toujours. Oui, et que c'est j'ai ma page Facebook qui est Shadow Pro, la page TikTok, mon compte TikTok Shadow Pro 237 et mon compte Instagram qui est Shadow Pro. Alors là, comme il dit, les vidéos seront disponibles sur votre page YouTube, sur toutes vos plateformes. Oui, exactement. D'accord. Quel est le rôle que vous avez aimé jouer, le plus aimé jouer dans vos différentes vidéos avec M. Ney? Bon, tout d'abord, j'ai aimé jouer tout les rôles. Oui, mais le rôle qui vous a le plus passionné, le rôle que vous avez le plus aimé. Bon, le rôle que j'ai le plus aimé jouer, c'est le rôle là où Nel est élève, je suis enseignant. Ah, le rôle que vous avez... Ce rôle, c'était le ouf, ça m'a... me parlait trop. Alors, nous allons... voir quelques extraits de ces vidéos du rôle de professeur. Exactement. Merci. Ça, c'est la dream proof comme film. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, l'inspecteur s'arrive. Vous devez vous comporter. En tout cas, voici ceux qui vont aller au tableau. Toi et toi. Toi qui es au milieu là, je ne veux même pas te voir lever la main. Je te vois lever la main, tu seras toi et moi aujourd'hui là. Ça, c'est quoi que tu m'as fait la dernière fois? Salak! Thank you.
dit, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, continuez vos coucous. D'accord, madame. Viens me corriger les exercices là. Ce n'est pas le Mimba. Moi. Mademoiselle, expliquez s'il vous plaît. Madame. 6 fois 2, 12. Moins 6 divisé par 3, 2 est égal à 10. Alors, après avoir vu ce petit extrait très amusant de M. Chavefo et de son compagnon Nel Cruz, nous aimerons vraiment vous poser une petite question. Alors, M. Chavefo, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de voir vos différentes vidéos? Quelle émotion, je ne sais pas, quel sentiment ressentez-vous après avoir vu ces petites vidéos, en fait? Bon, quand je tombe juste sur vos vidéos, c'est un réel plaisir. Si tu es mieux. Parce que quand on tourne la vidéo, on tourne à la puce de la vidéo, donc on ne sait pas quel sera le rendu des actes de la vidéo. On sait à la fin, quand on finit le montage, le moment regarde, oui, oui, c'est une bonne vidéo, on a quand même travaillé là. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui, après avoir fait des vidéos, parfois c'était la principale résultat et tout, je ne sais pas quoi. Bon, là, ce n'est pas mon cas, moi j'aime. Vidéos. Alors pourquoi le rôle de professeur vous a été attribué? Pourquoi vous êtes la personne qui joue ce rôle? Ça pourrait bien être Nel ou je ne sais pas, votre ami ou je ne sais pas quoi. Le rôle d'enseignant m'a été attribué parce que d'abord, le rôle voulait un enseignant sérieux qui. Une personne sérieuse. Pour cadrer l'aide, malgré qu'il soit un peu cata, l'aide dans la vidéo, des simples calculs. Une vidéo qui me fait vraiment marrer. Il fallait une personne sérieuse et d'avoir de nature. Je suis là aussi. Nous constatons, même à travers Roland, si vous êtes sérieux, c'est pas trop bien. Ça serait mal. Nous y sommes derrière. Il fallait une personne sérieuse pour la vidéo, c'est pour ça que le rôle m'a été attribué. Alors, merci vraiment. Alors, nous allons passer tout de suite au best de la semaine. Alors, de retour sur le plateau, ma webstar. Moi, c'est Ekeme Michel et je vais vous présenter la rubrique des buzz de la semaine. Alors, nous allons dans la localité de Douala où il paraît que deux filles se sont battues pour un gain. Le BG, entre guillemets. Alors Chabo, est-ce que les filles se sont déjà battues pour toi? Que je sais d'avoir oublié. T'inquiète pas Chabo, nous sur le plateau on te trouve végé. Alors les filles, évitons de mettre le cœur car il pourrait avoir des graves conséquences. Nous allons maintenant dans la localité de Likombon où il paraît qu'une fille aurait donné des tramoles à son enfant, un nouveau-né d'ailleurs, afin de pouvoir aller s'amuser.
Shadow, qu'en penses-tu de tout ce qui se passe dans la société actuellement? Bon, j'ai eu à suivre ce... Tous ces buzz. Tous ces buzz, et surtout le buzz de la fille qui a donné comme un enfant. Bon, moi, je suis pas un exemple. Je ne peux pas dire que je suis un modèle ou bien je suis parfait. Mais le seul conseil que je peux donner à Jenny, c'est de faire attention et de modérer les actions. Parce que ça part derrière la cacophonie. Là. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas la cacophonie. Donc, pardon, mes amis, calmez-vous. Calmons-nous. Les filles, calmons-nous comme ça. La vie, ce n'est pas la course. C'est mollo. Quelqu'un peut perdre sa vie, vous avouez. Nous passons à la prochaine rubrique qui est intitulée Les Jeux. Je laisse le plateau à mon très cher collègue Emmanuel. Alors, bienvenue encore sur notre émission WebStar sur la production de la chaîne MyFrica TV. Alors, monsieur Shadow Pro. Oui, monsieur Emmanuel. Êtes-vous prêt pour un petit décalage? Nous allons changer de rythme en fait. Nous allons passer au jeu sur MyFrica TV Africa. Alors, monsieur Shadow. Oui. Pouvez-vous retourner vos chronos en fait? Vous pouvez mettre vos chronos à l'envers, on ne sait pas. On veut voir à peu près ce que ça donne. Non, à l'envers, je pense que ça peut donner Prodocha. Prodocha. Oui, c'est Shadow Pro, oui. Prodocha. 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 C'est ça, non? Oui, on peut dire en quelque sorte. Et vous pouvez nous faire un petit a cappella, genre du générique de vos différentes vidéos avec une intro. Alors, suivant, monsieur Shadow Pro, chantez. Bon, bien d'abord, je dirais que. Alors, si changeons un peu les rythmes. Qui veut danser? Moi. Qui veut faire le show? Moi. Qui veut sanga? Nous. Shadow Pro. Moi. Tu me regardes. Coco Kills Comedy. Moi. J'étais à l'œil. Moi. Il est Styles Fun. Il est très bon. Il est plus Comedy. Laisse. Ouais, pas de faire, mais. C'est très drôle en fait. Et l'autre. Nous sommes de. Tous comédie. Ici au pays. Oui. On va vous faire rire. C'est pas Jean-Marie. Je suis pas musicien. Je suis moi comédien. J'ai seulement décidé de sortir ma chanson. Ici, là, pour mes vidéos, et ça sort, c'est le moins, c'est pour bouger, c'est trop, tout le monde avec moi, trop. Bref, quand elle commence à chanter, quand elle a ce moment, je suis vraiment heureux. Vraiment, c'est vraiment amusant. Mais quand elle chante, vous ne voyez pas la musique de même. Non, normalement, tous nous connaissons. C'est ça, on est des fans. D'accord, on va faire un petit truc à nous. Oui. D'accord. Elle cause comédie. Ici, au pays. On fait ri. C'est vraiment ça fait bouger. C'est trop. Alors, avez-vous quelques personnes à saluer, vos amis, votre famille, faites vos fans? Bon, bien évidemment. Tout d'abord, je passe un gros bisou et un coucou à ma mère chérie. Et je salue aussi Nel Cross Comedy, Coco Kims, Trinitarius Fun, bref, alors toute la team Nel Cross Comedy. Et à mes fans, je vous passe Big Up. Merci. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, de notre première édition de MyWebStar, produite par la chaîne de télévision MyTV Africa. Nous disons merci à Monsieur Shadow Pro. Avant de partir, nous allons rappeler que c'est le mois d'anniversaire de Monsieur Shadow Pro. Alors, tout le monde va souhaiter un joyeux anniversaire à Shadow Pro. Hein. Et nous allons inviter notre équipe technique sur le plateau pour un petit show. Alors,
Mais tout le monde sait que ça fait un peu de on dit quoi, Djapi? Je bouge. Je bouge. Je bouge.